Salut, salut! Je vous retrouve cette semaine pour découvrir mes trois recettes préférées au Thermomix, les recettes que j'adore le plus, que je trouve les meilleures ou que j'aime bien faire le plus souvent. On commence tout de suite avec le risotto à la tomate. C'est une recette de Weight Watchers qu'ils ont eu la gentillesse de partager avec Thermomix. C'est une de mes recettes préférées de risotto. C'est une recette très légère et ce petit goût de tomate, je trouve que ça va parfaitement bien avec. Donc on commence dans cette recette par mixer des oignons. Normalement, il faut commencer par râper le fromage, mais moi j'ai directement du fromage déjà râpé, donc je peux passer cette étape. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Pour pouvoir les faire rissoler, cuire, enfin voilà. On ajoute le riz à risotto, 160 g, et ensuite on lance pour faire rissoler le tout pendant 5 minutes. Une fois que tout est bien rissolé, on ajoute 1 cube de bouillon de volaille, de l'eau, 500 g, du coulis de tomate, normalement c'est 150 g, mais moi je mets la brique entière, donc les 200 g pour éviter d'avoir à en jeter. Ce serait vraiment dommage de jeter 50 g à chaque fois. Du basilic, une épice que j'adore. Pincée de sel, pincée de poivre. Et c'est parti pour cuire une vingtaine de minutes. Cette recette sent vraiment très très bon. Tous les ingrédients sont très très bien faits et vont très bien ensemble. On rajoute le fromage râpé qu'on a dû normalement râper au début. Normalement c'est 60 g environ. On mélange le tout. Mais malheureusement, la vitesse du mélange n'était pas assez forte, alors j'ai dû remélanger après. Je verse le risotto dans un tupperware, et voilà. Recette numéro 2, compote de pommes normalement. Et pour varier un petit peu, je mets des fois un autre fruit avec, histoire... de changer les goûts, les fruits varient suivant les saisons et suivant mes envies également. Celle que je préfère le plus, c'est la compote pomme-banane. Je trouve vraiment ça hyper bon. Je sais pas vous si vous connaissez ou si vous aimez. Donc la recette est très très simple. Hein. 750 g de fruits, là j'en ai un peu moins pour que ça rentre tout entier dans mon pot. Du jus de citron, du sucre, cassonade bien entendu. Comme toujours pour moi. Et bien sûr, pas de pommes sans cannelle. C'est vraiment un incontournable du dessert à la pomme, la cannelle. Et c'est parti pour 9 minutes de cuisson. La compote, c'est vraiment, vraiment la plus rapide. Une fois que c'est cuit, on mixe le tout. Moi, je mixe vitesse maximum parce que j'aime pas les morceaux. Et je mets tout ça dans dans mon pot spécial compote qui a une taille parfaite. Plus qu'à laisser refroidir et à mettre au frigo pour le lendemain. Il faut surtout faire attention de ne pas se brûler. Troisième recette, spaghetti carbonara. C'est une recette que surtout mon chéri adore. Cette recette est pour 4, mais malheureusement, ça nous fait quasiment un repas. On commence par faire rissoler des lardons. Bien entendu, comme toujours, il faut râper le fromage avant, mais j'utilise encore mon fromage déjà râpé. On met les lardons dans un plat bien au chaud en attendant la suite. La suite est simple, on va faire chauffer de l'eau. Pour pouvoir ensuite faire cuire les spaghettis. Donc 1200 g d'eau, du sel pour faire bouillir de l'eau,
Et c'est parti pour 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, on enlève le bouchon et on passe les spaghettis par le couvercle. 350 g. On peut aussi les couper en deux et les mettre directement dans le bol, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais ça cuit très bien comme ça, croyez-moi, j'ai déjà fait cette recette plein de fois. Une fois les spaghettis cuits, on les ajoute, une fois bien essorés, dans le même plat que les lardons et on réserve. On va s'attaquer cette fois à la carbonara avec 3 œufs et un jaune d'œuf. C'est une carbonara qui n'a pas de crème, c'est juste 3 œufs, un jaune d'œuf, du fromage râpé, l'équivalent de 90 g. Une pincée de sel, un peu de poivre et on va mélanger tout ça 15 secondes vitesse 4 pour avoir un mélange assez homogène. Croyez-moi, pour ceux qui digèrent pas vraiment la carbonara à cause de la crème, essayez cette recette, c'est vraiment très léger et extrêmement bon. On ajoute notre carbonara aux pâtes et aux lardons et on mélange le tout activement pour que les œufs et le fromage se mélangent au reste. Et voilà, bon appétit! J'espère en tout cas que ces trois recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous aussi vos trois recettes préférées au Thermomix, les recettes que vous préférez manger, les recettes que vous faites le plus souvent. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut !